Bon bah vas-y mec, je sais pas, moi je décroche celle-là puis Ouais, de ouf, ouais. Ouais. Je dois faire un petit détour vers Jupiter, on se retrouvera après si tu veux. Ok ouais, et puis après on les raccroche vite fait quand même. Bah vas-y, on part dans 5 minutes. Ok. Et on se retrouve tout à l'heure à l'arrivée. Ouais, à tout à l'heure, ouais. Allez, à toute gros. Ça y est, la capsule décolle, vient fendre l'air comme alvéole. Le voyage sera tout doux. Je commence à distinguer un bout de sol. Ah oui, tiens, c'est l'Écosse et là-bas c'est Moscou. J'éprouve une consolation en décrivant le paysage au rythme des rotations que dessine mon habitacle. Me mettre en stationnaire va me rendre nostalgique. Me dit que la vie c'est bien peu de choses. L'humanité vue sous cet angle est si petite. J'admire la terre depuis l'éther. Cette randonnée céleste me donne le recul nécessaire. Je les regarde faire leur move chaque journée, chaque matin. Bloqué dans des cycles en guise de destin. Moi ma destinée je l'ai envoyé rouler bouler dans l'escalier de mes priorités, ouais. Je veux m'investir que dans la tâche de diffuser le bien aux âmes qui passent dans des bails à la nébula où tous ensemble on crée la vibe. Souvenir de jeunes conducteurs garés sur la place. Me pop dans la tête l'époque où les tracas n'avaient pas de place. La clique d'autrefois big up à toutes et tous. Quand on met dans la classe ça se tournait les poussières. Le rêve à l'époque être pilote ou aviateur. Mais au final c'est le son qui fera mon bonheur. Toujours au combat je gratte, j'efface, je sample, recommence. Et je mélange tout ça. Allez grimpe dans le spaceship, t'as pas besoin de ton permis. Ce monde a rien de spécial, révolution Copernic. Donc on tourne en rond, on cherche à capter l'attention. On n'est pas le centre de l'univers, syndrome de Jupiter, pan. Vega missile te satellise, avec pas sûr que t'atterrisse. Mec j'espère que t'atterrimes, sinon le voyage sera pas terrible. Ici la météo, annonce pluie de météores. Si la mif demande de météo, t'étais parti chercher de l'or. Pas celui qui se trouve sur un bijou, non. Les richesses matérielles ne sont pas celles qui m'intéressent. Faut creuser l'intérieur, se détacher de la croûte terrestre. Au loin, au dehors, une pluie de comètes en slow motion me rappelle la chute des feuilles d'automne. La vie sur Terre est bien trop monotone. Vouloir être un corsaire de l'espace, pour ces conneries j'ai plus l'âge. Dans 3 degrés on n'est plus là, donc je me tire. Direction Nebula. Ma tête vide spatiale, faut que je pose des mots spéciaux. Une gymnastique, un saut périlleux, mes chevilles pourraient se porter mieux. De l'aube au crépuscule, au gré du son, la tête bascule. En sort un 16 mesures, les rimes riches, c'est ma force. Le tout résonne dans ses sémaphores, et si je foire, bah c'est ma faute. La vie passe trop vite, pas le temps pour devenir astronaute. Fini les tempêtes d'équinoxe, et puis les promesses équivoques. Ça prendra le temps qu'il faut pour atteindre l'épilogue. C'est pas vrai, on n'est pas parti, c'est juste dans nos têtes, yeah. Pas besoin que la fusée soit concrète pour faire un voyage dans le ciel quand la musique nous y mène. C'est pas vrai, on n'est pas parti, c'est juste dans nos têtes. Pas besoin que la fusée soit concrète pour faire un voyage dans le ciel quand la musique nous y mène.